Eh bien, salut tout le monde, c'est Deltox, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire, me semble-t-il, le premier unboxing sur cette chaîne YouTube. Et un unboxing pas des moindres, vu qu'on va déballer le nouveau maillot domicile de l'équipe de France qu'elle portera lors de l'Euro 2021. Le maillot m'a été envoyé par le site spkids.com, je les remercie énormément. Et vous retrouverez le lien de leur site ainsi que tous leurs contacts directement dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs, je vous conseille de bombarder les vues, les pouces bleus et les retours positifs en commentaire, car il se peut que les prochains maillots qu'ils vont m'envoyer, eh bien, ils soient directement pour vous. Donc SP Kids, c'est un site qui vend un très large choix de maillots de football et de basketball, que ce soit pour la Première Ligue, la Ligue 1, la Liga ou encore les équipes internationales. Des maillots NBA et des survêtements sont aussi disponibles sur le site, et tout ça à tout petit prix. Vous choisissez vos tailles habituelles, personnalisez votre maillot en ajoutant des patchs, comme celui de l'Euro 2021, et vous pouvez également floquer le joueur et le numéro de votre choix. Je remercie encore SP Kit de m'avoir envoyé le maillot, et je vous propose qu'on passe enfin à l'unboxing. Alors, petite précision tout de même, ce ne sont pas de faux maillots ni de véritables maillots officiels. C'est-à-dire qu'ils sortent des mêmes usines que les véritables maillots officiels, d'où leur fidélité de design, la qualité de leur texture, etc. Et le fait que le prix soit si bas vient premièrement du fait qu'il faut attendre 2, 3, voire 4 semaines avant de recevoir les maillots chez soi, et surtout que ce genre de site prend très très peu de marge comme peuvent le faire directement Nike ou Adidas. Et donc voilà l'unboxing et ce super maillot qui arrive dans son sachet où on retrouve bien évidemment le logo Nike et au dos toutes les caractéristiques habituelles des paquets qu'on achète sur internet. En plus de ce sachet plastique, on a un autre sachet plastique, mais cette fois-ci opaque, qui vient renforcer dans la protection de ces maillots. Et donc on peut tout de suite donc ouvrir le super maillot, donc bleu, bleu clair, bleu foncé, rouge, vraiment un beau design que j'étais pas très fan au début, mais finalement quand j'ai vu des gens le porter, etc., je me suis dit c'est vrai qu'il est vachement joli. On retrouve donc voilà la petite bande rouge, le logo Nike à gauche, le logo, ben, le coq sportif avec FFF et les deux étoiles du côté droit. Au dos, les étiquettes qui a écrit République française, égalité, fraternité, liberté. De toute manière, vous aurez des... liberté, égalité, fraternité, pardon. De toute manière, vous aurez des gros plans ensuite, vous verrez sur les étiquettes, etc. Vous verrez que c'est vraiment une super qualité, un super flocage. Et surtout, moi, je l'ai pris en version Vaporknit. C'est une version dont joueur, on retrouve sur les côtés beaucoup d'aération, dont c'est marqué en bas, Nike Vaporknit. De l'aération, pardon, un tissu super léger, super, super agréable à porter lorsqu'on fait du sport. Et en bas, on retrouve le numéro de série Nike. Donc voilà, vraiment superbe qualité, on peut le tourner. Au dos, j'ai décidé de mettre, de pas mettre de flocage, mais du coup, on retrouve tout de même, une nouvelle fois, ce super tissu agréable et les aérations qui continuent bien évidemment au dos du maillot. Voilà, je le retourne une dernière fois pour qu'on revoie bien les deux logos principaux. Voici donc les gros plans, on voit bien ces aérations vraiment super agréables qui ne sont pas non plus hyper marquées lorsque vous le portez. Bon, le logo Nike, le coq qui est super bien, c'est super bien thermocollé, hein, c'est du flocage et c'est vraiment super top. Voilà, liberté, égalité, fraternité, les étiquettes Nike Standard Fit, les étiquettes avec donc le coq sportif, toujours cette bande d'aération qui est située sur les deux côtés du maillot, le numéro de série et le petit Nike Vaporknit. Voilà, petite vue encore en petit travelling, il me semble, sur ce maillot. Donc voilà, super qualité, super produit. Donc voilà, le maillot me va super bien. Je remercie encore SP Kits de m'avoir envoyé ce maillot. Et je vous conseille de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et de vous abonner. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres unboxings qui arrivent très bientôt sur cette chaîne YouTube. Du coup, ben, c'était Deltox. Et donc, on se dit à très bientôt pour de prochains unboxings et pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye tout le monde.